Mademoiselle Aurélie Troscompte de Saint-Étienne également. Saut de cheval, premier saut. Elle était de cette équipe de France qui était à Sabaé, sixième mondial, l'équipe de France. Et Aurélie, eh bien, est en train de prendre une place parmi les huit meilleures françaises. Et il faudra que Élodie Lussac tienne compte de ces jeunes filles pleines de talent et d'ambition si elle veut retrouver sa place très rapidement comme elle en est capable dans l'équipe de France. Aurélie donc, premier saut, un saut classique. Par renversement avant, l'une salto avant carpé. Voilà, elle aura deux sauts et comme le championnat de France est jugé ici sur le concours 2, eh bien ça veut dire tout simplement que la moyenne des deux sauts sera faite. Et elle peut refaire le même saut. Une différence avec les finales des championnats du monde que l'on avait vu, où c'est la moyenne des deux sauts qui s'effectue, mais où les jeunes filles doivent faire deux sauts différents. Et c'est le même et c'est beaucoup mieux, car la chute est bien stabilisée cette fois. Et ça, c'est intéressant pour faire remonter sa moyenne, parce que voilà son entraîneur chinois qui est établi à Saint-Étienne et qui a sorti très rapidement deux, trois jeunes filles de niveau mondial, hein, on peut le dire.